Et voilà, normalement, c'est parti. Bon matin. Et voilà, je prends les accents du Canada, c'est normal. J'étais avec Patricia hier soir pour moi, hier après-midi pour elle. Donc, je vais prendre des petits accents du Canada que j'adore, des Québécois. Je les adore, ces accents-là. Alors, je vous propose pour cet atelier, j'ai vu que j'avais fait n'importe quoi dans les numéros des ateliers, donc je vais revérifier tout ça à un moment ou à un autre pour ranger tout ça dans l'ordre pour ceux qui les prennent. Un petit peu après, c'est plus logique quand même, il y a quand même un ordre à peu près, voilà, puisque pendant quelques semaines, nous avons œuvré pour la gratitude en fonction de tout ce que nous avons reçu déjà dans le passé, dans le moment présent, et que là, on va tourner une page, enfin tourner une page, on va franchir une étape, puisque on va être dans la concrétisation de nos rêves. Voilà, on a posé une assise solide avec tous ces processus, tous ces procédés de gratitude pour les choses, pour les gens, pour tout ce qui nous, qui nous entoure. Et on va passer effectivement à l'étape suivante qui est de remercier pour ce que nous avons à portée de main et qui ne demande qu'à être matérialisé, puisque quand nous allons mettre notre focus sur ce dont nous avons envie, mais c'est là que ça va se matérialiser. Voilà, les scientifiques l'ont prouvé. Mais on ne va peut-être pas aller dans les démarches scientifiques, mais cependant, on le sait que là où nous mettons notre intention, où nous posons notre regard, c'est là que les choses se matérialisent, c'est là que nous utilisons notre pouvoir de création. Alors, Rhonda Byrne le dit avec des mots beaucoup plus simples, mais le résultat, il est là exactement. Ce que je vous enseigne, ce que j'essaie de transmettre depuis des années, c'est que rien n'est à l'extérieur de nous, nous projetons tout depuis notre intérieur et puis il n'y a pas de différence entre les deux. La preuve, c'est que la carte de ce matin, c'est ton but ultime. Ah, ton but ultime, c'est le retour à l'unité. Bon, allez, on va commencer par trois instants, trois grandes respirations. Je vais déjà peut-être vous diffuser de la mire. Je sais que pour certains et certaines qui vont prendre ce replay, je sais qu'ils sentiront la vibration jusqu'à eux. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Moi, personnellement, ça ne le fait pas. Voilà, mais bon, je sais qu'il y a des amis. Voilà, Patricia au Canada, ça l'a fait avec plein de personnes. Ça l'a fait avec Émile là-bas à Saint-Nazaire. Voilà, et juste quand on en parle aussi au téléphone et qu'on ouvre le flacon, et voilà, c'est une histoire de vibration. Nous ne sommes qu'énergie. Donc, je vous fais profiter de la mire. Moi, il a fallu que je la mette sur mes poignets, que je la respire. Mais bon, je vais le refaire avec vous. Ce sera juste top. Voilà, pourquoi la mire s'est invitée ce matin? Parce que bon, je fais mon tirage de cartes. Si vous êtes sur la page fan de la voie du chemin, vous le savez. Si vous êtes sur la page des huiles essentielles, peut-être vous en avez aussi entendu parler. Et j'ai donc le fameux jeu que j'ai reçu, l'oracle que j'ai reçu de la voie du chemin, dont le titre ce matin, c'est ton but ultime, je vous le disais. Bon, je vous ai partagé la carte sur fan de la voie du chemin. Et celle que j'ai tirée. Voilà, j'ai pas eu le temps de tirer celle des mandalas de l'âme. Celle que j'ai tirée dans les trésors intérieurs, c'est la sérénité. La sérénité qui nous dit, j'ai le courage de me sentir serein face à mes décisions. Et aujourd'hui, effectivement, ben, c'est d'actualité puisque avec la gratitude, on va aller vers nos désirs, vers nos choix pour les voir se matérialiser. Alors, quand on a décidé, quand on a choisi quelque chose, ben effectivement, après, l'idée, c'est d'être serein par rapport à cette décision. Parce que s'il y a le moindre doute qui s'infiltre, eh bien, c'est évident que ça court-circuite nos choix, que les peurs, elles sont créatrices. Et donc, vraiment, tout est en lien ce matin. Là, ça nous demande de garder notre foi, de garder la cape sur la foi en l'au-delà, la foi dans le divin qui nous habite, quand les décisions, elles montent de l'intérieur. Eh bien, ayons la foi, choisissons-les, et une fois que c'est choisi, une fois que c'est décidé, restons sereins par rapport à ces décisions. C'est en cela que la mire aujourd'hui, elle fait partie des huiles qui nous accompagnent, ainsi que l'encens, la lavande, l'arbre à thé et le on guard, ce fameux mélange de protection qui nous permet de nous sentir en sécurité,
Je l'ai mis dans mon diffuseur, donc voilà. Je suis parée. D'ailleurs, j'avais pris ma goutte d'encens ce matin avant le petit déjeuner, comme tous les jours, en me levant, voilà, une goutte de citron dans l'eau et puis une goutte d'encens directement. Et tout ce qu'il nous faut pour nous sentir calme, fort, équilibré, serein et en sécurité par rapport à nos décisions. Alors, l'exercice supplémentaire, donc je vais remettre mes cartes à leur place. L'exercice supplémentaire, eh bien, on va ressortir notre fameux cahier d'objectifs que nous avons fait lors du premier exercice. C'était avant de commencer les processus, si vous en souvenez. Et donc, aujourd'hui, ça va être le moment de le ressortir. De le ressortir et puis de choisir parmi tout ce qu'on a écrit dans tous les thèmes possibles et imaginables, que ce soit le mode de vie, que ce soit les relations, que ce soit le professionnel, que ce soit la vie personnelle, spiritualité, que ce soit dans tous les domaines qui puissent exister et qu'on peut inventer, évidemment dans la santé aussi. Je l'oublie régulièrement parce que j'ai le bonheur que ce ne soit pas là que mes expériences se passent. Mes expériences se passent plutôt dans le domaine des relations. Si vous me connaissez un petit peu, vous le savez, c'est plutôt là que ça se passe, entre les deuils et voilà. Bon, mais on a chacun son parcours. D'autres, ce sera les accidents de la vie, d'autres, ce seront les pertes d'emploi. On a chacun son domaine de prédilection, j'ai envie de dire. On est venu à expérimenter chacun dans son domaine. Donc, voilà, vous allez peut-être mettre l'accent effectivement sur un domaine qui vous touche plus particulièrement. Quoique, très souvent, quand on va consulter pour un problème de travail, on ressort avec un diagnostic sur le couple. Ça, vous le savez aussi que tout, bien sûr, il n'y a rien de séparé. Hein. Tout est interrelié. Mais enfin, cependant, ben là, aujourd'hui, on en est à peut-être apprendre, réapprendre, redécouvrir le pouvoir de la gratitude pour juste concrétiser nos rêves. Et donc, eh ben, il faut bien commencer. On est des éternels apprenants, des éternels élèves. Et voilà, on s'entraîne à muscler nos muscles de la gratitude, à muscler, voilà. Il n'y a pas de chef pâtissier qui n'ait commencé par le commencement. Voilà, par se faire ses gammes. Mais c'est comme au piano, on n'est pas Mozart. Du jour au lendemain, on commence par faire des gammes de l'entraînement et de l'entraînement et de l'entraînement. Il n'y a qu'à force d'entraînement. Et je m'écoute en le disant, bien vous le disant, bien entendu, parce que c'est d'abord à moi que cela s'adresse, évidemment. Tout ce que je donne, ce que j'ai besoin de donner à l'autre, et c'est d'abord à moi que il faut le savoir, que c'est d'abord comme ça, c'est d'abord pour moi que je le dis et que je le répète. On a besoin d'entraînement. Voilà, si vous êtes allé sur et vous avez commencé à vous inscrire sur le programme des 21 jours pour moi, là, avec nos amis québécois, justement, eh bien, ça commence par ça, ça commence par l'entraînement matinal. Voilà, le premier jour, c'était hier, et le premier jour, on parle d'entraînement. Alors, on est dans le flow, comme on dit actuellement. Voilà, on est juste dans la dynamique, que tout le monde aille dans ce sens, et tous ensemble, on va beaucoup plus loin, puisque c'est l'humanité qui bénéficie, et la Terre entière, et la planète, et l'univers qui bénéficient de toutes nos évolutions. Voilà, nous sommes tous reliés, bien évidemment. L'imagination est le vrai tapis magique. Alors, c'est normal, Vincent Peale, voilà, qui écrit ça, un pasteur et écrivain. Et donc, je vous le disais, si on a jusqu'ici effectué tous nos procédés magiques très régulièrement, et on y revient encore avec notre carnet de gratitude du matin, avec notre cahier magique du soir. On n'oublie pas, parce qu'hier, on avait 3 personnes à choisir et à remercier, d'en trouver une 4e aujourd'hui. Évidemment, on va reprendre ces processus et les reprendre et les reprendre et y revenir. C'est l'objectif, bien sûr, c'est de devenir... que voilà, la gratitude, elle soit là et qu'on sache que c'est un peu comme un mouchoir qu'on sort de sa poche quand on en a besoin. Et bien voilà, on sait qu'elle est là et ça devient un réflexe. On reconditionne notre ADN, évidemment. Au lieu de se plaindre, ce qui était un réflexe, eh bien, on adopte la gratitude. Et plus on va la pratiquer, plus on la pratique tous ensemble et plus ça va être efficace. Voilà, donc au fil des siècles, nous le dirons d'abord, eh bien, il y a plein de populations qui ont été faire des danses pour avoir de la pluie. Donc, c'était des danses de gratitude. Quand on danse, on honore, on est dans la célébration. Vous avez tous lu ces histoires-là. Aujourd'hui, on fait des prières. On fait des prières pour que la pluie arrive. Mais que la pluie arrive, sur l'Australie, c'est la truc à la mode. Mais peut-être que si on commençait aussi par aller à l'intérieur de nous, parce que, j'écoutais un truc comme ça, accessoirement, hier, là, je ne sais pas, j'ai pas été vérifier les sources d'informations. Mais ce garçon disait que, en fait,
les fumées et le CO2 qui sort de ces incendies, il est peut-être 4 ou 5 ou 10 fois inférieur à ce que polluent en CO2 toutes les entreprises qui exploitent le charbon là-bas. Donc finalement, ce n'est pas à nous de juger, c'est juste à se dire que oui, peut-être les animaux, ils ont aussi choisi de se sacrifier pour que l'humain se réveille. Voilà, donc on va juste y porter cet autre regard. Enfin, ça, c'était un petit aparté. Aujourd'hui, on va donc aller chercher nos désirs les plus chers, ceux qu'on a écrits dans notre cahier. Et puis, on va reprendre ces exercices juste en écrivant sous une autre forme. Merci, 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 par exemple, pour la bonne nouvelle, nous allons avoir un bébé. Voilà, alors que peut-être on avait écrit, ben voilà, dans le livre, on a juste envie, dans nos désirs, d'avoir un bébé. Eh bien, on va reprendre et on va écrire merci, merci, merci d'avoir un bébé. Enfin, voilà, c'est celui qui tombe sous mes yeux, sous la liste. C'est peut-être pas très d'actualité pour les gens qui nous suivent, mais enfin, vous avez peut-être envie d'avoir des petits-enfants aussi. Alors voilà, merci, merci, merci. Merci pour cet extraordinaire appel téléphonique qui m'a permis d'améliorer mes relations avec mon père. Voilà, on peut avoir aussi envie d'améliorer ses relations. Et si on le traduit comme ça, en commençant par merci, merci, merci. Ah, merci pour ce merveilleux appel qui m'a permis de me réconcilier avec mon père. Alors ça, c'est la première étape du processus. Merci, merci, merci. Pour toutes les, devant chaque item que vous avez écrit, vous allez recommencer en écrivant merci. Peut-être pas le temps de tout faire aujourd'hui, mais voilà. Ensuite, la deuxième étape de l'exercice, ça consiste à imprégner encore davantage nos désirs de gratitude. Alors, on peut s'y adonner à tout moment du jour, bien sûr, immédiatement après avoir dressé notre liste ou de façon intermittente. Pour imprégner chacun de nos désirs de pouvoir magique de gratitude, on commence par le premier élément de notre liste, si on veut. Et en faisant appel à notre imagination, on va répondre mentalement aux questions ci-dessous, comme si notre désir était déjà exaucé. J'ai fait cet exercice hier soir un petit peu, et ce n'était pas facile pour moi, hein, de m'inscrire au magnifique concert-atelier que vont nous donner David et Mathilda demain soir en direct du Canada, justement. Et voilà, ils nous avaient mis une fiche d'exercice, voilà, une fiche de questions, exactement comme ça. Qu'est-ce qu'on attendait de ce concert? La première des choses, quelles étaient nos questions, pas assez par rapport au couple. Et puis, une des questions suivantes, c'était, ben voilà, comment vous allez vous sentir quand vous allez avoir cette réponse? Quelles émotions avez-vous ressenties une fois votre désir exaucé? À qui avez-vous d'abord annoncé la concrétisation de votre souhait et comment avez-vous procédé? Quelle fut la première chose formidable que vous avez accomplie lorsque votre désir a été exaucé? Vous allez vous la représenter mentalement avec le plus de détails possible. Finalement, on va relire l'énoncé correspondant au premier désir de notre liste et on va mettre vraiment l'accent sur le mot magique merci, de manière à le sentir avec encore plus d'intensité. C'est évident quand vous aurez traversé en visualisation, en imagination, les émotions que vous allez ressentir une fois que votre désir est accompli. Comment vous allez l'annoncer et à qui? Quand vous aurez ressenti tout ça, il est évident que votre merci, votre gratitude aura une autre intensité et inévitablement, vous aurez la concrétisation de vos rêves. Peut-être il faudra du temps, peut-être il faudra rester serein, parce que s'il y a le moindre doute qui s'insinue, ça peut demander un peu plus de temps. Ou peut-être qu'effectivement, les craintes qu'on y aura mises, ben, ça fera qu'on aura une réponse pas tout à fait conforme à celle qu'on a voulu, mais de toute façon, ce sera la meilleure pour nous. Puisque ça sera une expérience qui nous permettra d'aller un petit peu plus loin. Voilà, donc vous reprenez votre exercice numéro 13 dans votre PDF que vous avez téléchargé. Je vous souhaite une bonne journée dans la concrétisation ou la mise en place de la concrétisation de nos rêves et de vos rêves. À demain matin. Oui, à demain matin. C'est mercredi, je serai là. Belle journée à vous.